Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Madame Finet, est-elle là? Oui, bonjour, je suis là. Très bien. Nous pouvons débuter. Est-ce qu'on Tout est à en fait. nombre? On est en Nous nombre? avons, oui, nous avons le quorum. Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que tout le monde se porte bien. J'ai préféré qu'on se réunisse aujourd'hui en visioconférence plutôt qu'en mode hybride visio et présentiel, vu la situation sanitaire et le fait que des députés sont peut-être en quarantaine. On se retrouvera, si tout va bien, en présentiel lors de notre prochaine commission le 17 novembre, puisqu'on y analysera le budget. Merci à notre secrétaire, donc Nathalie Finet, de nous accompagner, et au service informatique du Parlement, parmi eux Monsieur Guéry, d'assurer la technique, et j'espère que notre réunion est bien retransmise sur le site internet du Parlement francophone bruxellois. Vous me confirmez? C'est en... Alors moi, je confirme qu'il y a une retransmission à partir de maintenant sur YouTube et on vous a envoyé le lien qui Eh se bien, trouve dans le chat. Voilà. très bien, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour nous écouter. Tout d'abord, Parfait. y a-t-il des députés excusés? J'ai reçu les excuses de Monsieur Tali, qui sera suppléé par Monsieur Matteo Segers, que je vois à l'écran. Bonjour. Y a-t-il d'autres excusés? Il y a Monsieur Coxal, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Coxal est excusé. OK. Je note. D'autres? Pas d'autres? Ce Coxal, est-ce qu'il est suppléé ou pas? On dirait pas. Je viens de l'apprendre. Il Ouais. est, voilà, il est malade et Ah, OK. avec des suspicions d'infection au coronavirus. Et donc voilà, je crois qu'il a accompli les démarches. Je peux me renseigner si vous voulez. OK, il n'y a pas de souci. Très bien. On passe au premier point de l'ordre du jour, qui est l'élection des vice-présidences du bureau de la commission. Premier point, donc, est l'élection des vice-présidences du bureau de la commission. Par application de la règle de la représentation proportionnelle, le bureau de la commission de l'enseignement, de la formation professionnelle, des personnes handicapées, du transport scolaire, des crèches, de la culture et du tourisme est composé comme suit, d'une présidence qui revient au groupe PS. Je vous rappelle que la commission a déjà procédé à l'élection de la présidence de son bureau lors de la réunion du 29 septembre de cette année. Je vous réitère mes remerciements à ce sujet. D'une première vice-présidence qui revient au groupe Défi. Quelqu'un demande-t-il la parole? Madame Joëlle Maison ne prend pas la parole. Je le prends à sa place. Donc, votre groupe proposerait Sadiq Coxal, qui n'est pas là, comme premier vice-président. Vous me confirmez la chose? Je vous Je confirme la chose. Désolée pour ce moment d'inattention. Apparemment, je Oui, n'étais pas. il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, et la deuxième vice-présidence qui revient au groupe PTB. Donc, si quelqu'un demande la parole pour le groupe PTB. Je demande la parole, Monsieur le Président, pour Oui, je t'en prie. proposer Madame Koblovitch. Très bien. Merci bien. Donc, Madame Stéphanie Klopovitch est élue seconde vice-présidente. Je vous Voilà. remercie. Donc, le bureau de la commission est donc composé comme suit. Président, votre serviteur. Première vice-présidence, Monsieur Sadiq Coxal. Et deuxième vice-présidence, Madame Stéphanie Koplovitch. Félicitations. Bienvenue à notre ami Sadiq, qui n'est pas là, que j'ai longtemps fréquenté dans d'autres instances au sein de notre commission. L'ordre du jour appelle maintenant l'examen de deux projets de règlement déposés par le ministre Rudi Vervoet relatifs à l'octroi de subsides au centre culturel et au label Impact. Donc, je commence tout d'abord par le projet de règlement relatif au centre culturel, donc le document 22. Vous avez reçu les documents nécessaires avec la convocation en principe.
Nous devons d'abord désigner un rapporteur ou une rapporteuse. Quelqu'un demande-t-il la parole? Je crois avoir lu un message sur chat que... Oui. Donc, le groupe écolo propose M. Moussine comme rapporteur, si je ne me trompe pas. Exactement ça, Monsieur le Président. C'est OK? Tout le monde est d'accord? Ben voilà. Donc, M. Moussine est désigné comme rapporteur. Je cède maintenant la parole au ministre président. Oh, donc, ministre Rudy Vervoort, ici, en l'occurrence, dans le cadre de la COCOF. Donc, ministre en charge de la culture, pour son exposé. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, tout d'abord, je souhaiterais contextualiser cette proposition de règlement. Comme vous le savez, la déclaration du gouvernement de la Commission communautaire française pour la législature 2019-2024 met l'accent sur la promotion de la démocratie culturelle en promouvant l'accès à la culture pour tous et l'importance de donner aux personnes éloignées de la culture un espace d'expression. Dans le cadre de cet objectif, les centres culturels sont les acteurs de proximité incontournables à cette politique de proximité. Le centre culturel, ben oui, franchement, il est là dans nos quartiers et c'est lui qui fait ce lien entre le citoyen et la culture dans toute sa diversité. Chaque centre culturel connaît des enjeux spécifiques liés à son territoire en regard de sa démographie, de ses publics, et le décret de la Fédération Unie-Bruxelles relatif aux centres culturels place l'analyse partagée comme point de départ de la politique que le centre culturel devra déployer pour répondre à ces enjeux. Nous savons que Bruxelles connaît des situations hétérogènes en regard des paramètres précités. Dès lors, les centres culturels, ce sont bien eux qui, au niveau de cette proximité, vont mettre en place des activités culturelles, créatives, artistiques, qui renforceront les liens entre les citoyens sur un territoire donné, que ce soit sur le territoire d'une commune ou plusieurs quartiers, évidemment pas d'exclusive. Le centre culturel est cet espace de culture de proximité où on peut avoir une vie culturelle, je dirais, avec ses voisins, avec ses proches. On peut y accéder la culture tant en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur. C'est aussi un élément important des centres culturels puisque il y a une dimension aussi, je dirais, de d'action-réaction ou en tout cas où chacun peut apporter aussi, j'allais dire, sa pierre à l'édifice. Les centres culturels, ils valorisent la participation culturelle des citoyens. Et à Bruxelles, ils vont encore plus loin. Ils sont là pour faire le lien entre les cultures, les différentes cultures dans toute leur diversité, et de nombreux centres culturels portent aussi des projets participatifs et citoyens. Je dirais même qu'il y a une dimension dans les centres culturels aussi, suivant le cas, une dimension sociale non négligeable, une dimension d'éducation permanente, une dimension d'ouverture, je dirais, à la diversité, à tout ce qui fait la richesse de nos quartiers, et qui fait que c'est aussi un lieu où nos concitoyens apprennent à se rencontrer, apprennent à se connaître et apprennent, je dirais, à développer un vivre ensemble qui, sans la culture, ne trouverait sans doute pas à pouvoir s'exprimer. Et donc, le décret relatif au centre culturel, vous le savez, c'est la base même de ce que sont les centres culturels. Et ceux-ci sont à la fois l'émanation des communes, des communes concernées et du secteur associatif local. Les missions sont définies sur base du décret dans un contrat programme et le financement des centres doit être triple. Il comprend une part venant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une part communale et puis une part COCOF. Et la part communale cumulée avec celle de la COCOF doit être au moins égale à celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis plus de 20 ans, le montant de l'intervention de la COCOF pour les centres culturels reconnus n'a pas été modifié, ce qui a conduit à un sous-financement des centres culturels bruxellois. Or, la COCOF se doit d'être un partenaire apportant un financement juste en regard de sa politique culturelle, en garantissant sa juste valeur le soutien des 13 centres culturels bruxellois qui travaillent à l'exercice de l'ensemble de ces politiques. Je rajouterai que les centres culturels bruxellois s'adressent à un bassin de public cible important, et donc les réalités, comme je l'ai dit, d'un centre ne sont évidemment pas celles les mêmes que dans les provinces wallonnes. On est dans une autre configuration, avec une densité qui est évidemment très forte et une hétérogénéité qui l'est
pas moi. Alors, pour rappel, les centres culturels bruxellois, ce sont ceux d'Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, de Bruxelles, d'Evere, de Forêt, de Gansouren, de Jette, de Saint-Gilles, de Scarbeek, de Watermael-Boisfort, de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre, qui sont donc reconnus dans le cadre de la législation de 2013. En 2021, le centre culturel d'Etterbeek le sera également. Et dans le cadre de ce décret, chaque centre culturel est alors soutenu par la Commission communautaire française en fonction des actions menées et identifiées, action culturelle générale, action intensifiée, action culturelle spécialisée et projet de coopération entre centres culturels. Et donc, les objectifs à long terme sont développés en tenant compte des enjeux suivants, vision régionale, la jeunesse, l'accès à la culture, l'évolution démographique, la mixité des publics et la médiation culturelle. Le présent règlement propose de fixer les montants du financement alloué à ces différents axes. Ils sont assortis de financements complémentaires par rapport aux axes supplémentaires reconnus et pouvant s'additionner. Et donc, les montants proposés sont donc les suivants. 50 000 euros pour l'action culturelle générale, 50 000 pour l'action intensifiée, 10 000 pour l'action spécialisée, 10 000 pour le projet de coopération par centre culturel et 10 000 pour l'extension de territoire. Dans la procédure de reconnaissance d'un centre culturel, la ville de la Kokof est sollicitée et compte pour la reconnaissance. Et donc, en fin de procédure, un contrat programme est rédigé de manière tripartite, commune, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF. Ce contrat programme mentionne l'intervention des trois partenaires subventionnant le centre culturel afin de garantir au moins la parité des financements, comme je l'ai dit, 50% pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et 50% pour la commune et la COCOF. Le présent règlement va plus loin que cette démarche, je dirais, d'égalité, de parité entre les financements. On constate qu'en moyenne, les trois partenaires sont environ un tiers. Et donc, la COCOF porte cette volonté d'avoir un soutien renforcé au centre culturel bruxellois pour soutenir l'accès à la culture de toutes et tous, grâce à ces acteurs indispensables que sont les centres. Par l'adoption du présent règlement, nous confirmons de cette manière notre soutien aux centres culturels. Et donc le présent projet prévoit aussi également l'indexation automatique du soutien à la COCOF pour les centres culturels. Ce détail important permet de prévoir une augmentation globale garantie de l'enveloppe que la COCOF alloue aux centres culturels sur la législature de 20%, en comptant que nous avons fait en 2019 un rattrapage des années d'indexation non obtenues les années précédentes. Donc l'indexation automatique est un moyen, c'est un élément important pour permettre l'évolution des subsides de manière automatique, de sorte qu'on puisse maintenir le niveau d'activité tout au long de la durée du contrat programme. Donc je pense qu'avec ce règlement, nous marquons aussi et nous portons, je dirais, un signal fort vis-à-vis des centres culturels pour leur permettre de continuer à exercer leurs fonctions ô combien importantes dans nos communes et dans nos quartiers, j'ai dit Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. La discussion générale est ouverte, donc qui souhaite prendre la parole? Je vais aller voir s'il y a des mains levées. Des mains levées virtuelles, il n'y en a pas. Ah, il y a une main non virtuelle à l'écran. Madame Maison, vous souhaitez prendre la parole. Et Madame Koplovitz. Merci, Monsieur le Président. Madame Koplovitz aussi a une main. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Ministre, je voudrais cet exposé qui est très exhaustif et qui nous démontre toute l'importance de la culture de proximité et du rôle essentiel que jouent les centres culturels dans cette culture de proximité, qui vise évidemment une perspective artistique, mais une perspective d'épanouissement, une perspective de cohésion sociale, vous l'avez dit, pour les spectateurs, mais aussi pour les acteurs. Alors, tout accroissement de moyens accordés aux politiques culturelles et à la démocratie culturelle recueille évidemment l'enthousiasme de singulièrement de notre groupe Défi, et j'imagine personnes qui composent aujourd'hui cette commission. Et là, il est vraiment des moyens. Les indexer, vous avez dit 20% de la législature, est évidemment essentiel pour ces centres culturels qui sont face à des défis importants et qui pourront de cette manière vivre une programmation plus apaisée, même si apaisée n'est sans doute pas le terme adéquat en ces circonstances. Je voulais aussi, vous savez, toute l'importance que
que les mots revêtent pour mon groupe, la langue française, les mots, la culture, etc. Tous ont disparu avec notre changement de nom. Et je voulais revenir sur un article dans la Ligue Belgique du week-end dernier de Alain Bentolila qui explique l'importance des mots et l'importance de la connaissance des mots et de la maîtrise en particulier pour leur épanouissement, mais surtout aussi dans un contexte de cohésion sociale. Il disait, je sais, la seule façon de préserver les gens est du pouvoir. Et du pouvoir, c'est vraiment fait, et par les mots, pas par les mots, mais par les mots comme véhicule de culture. Et là-dessus, en termes de cohésion sociale. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, mais je trouve quand même intéressant pour celles et ceux qui n'auraient pas lu cet article, qui est essentiel, que l'écart entre les 20% d'enfants qui maîtrisent le mieux la langue et les 20% qui la maîtrisent le moins bien est de 1 à 8, c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, par exemple, parmi ceux qui maîtrisent le mieux la langue, a 1900 mots de vocabulaire. Un enfant de 6 ans, parmi ceux qui la maîtrisent la moins bien, ne dispose que de 250 mots de vocabulaire. Alors, avec 250 mots de vocabulaire, on n'est pas efficace, et on n'est pas vigilant, et on est crédule, et on est vulnérable par rapport à ceux aussi qui disposent de 1900 mots. Un enfant qui ne dispose que de 250 mots ne pourra jamais non plus lire et écrire correctement. Et la faible connaissance linguistique entraîne évidemment un recours à la violence, parce qu'un enfant qui est en insécurité juridique, linguistique, pardon, un jeune en insécurité, va recevoir avec délices et gratitude le discours simpliste de ceux qui ont expliqué le monde. Tout ça pour dire, monsieur le ministre, à quel point toute initiative qui vise à renforcer la culture me réjouit, parce que c'est aussi au-delà de l'épanouissement et au-delà de du jeu et de la... et d'une meilleure maîtrise de la langue et du divertissement, c'est aussi les questions de cohésion sociale qui sont là rencontrées, et je vous en remercie. Merci. Madame Koplovitch. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être juste très rapide. Je souligne ce que Madame Maison vient de dire à propos de la manière dont la culture peut être un outil d'émancipation ou au contraire d'oppression d'une classe sur l'autre. Donc, on est très content, et tout ce qui va dans le sens de plus de démocratie et d'accessibilité culturelle est une bonne chose. Je veux juste souligner, alors c'est pas le point ici, mais donc en lisant le texte, pour être sûr de pas faire de bêtises, je lui fais lire à des gens qui travaillent dans des centres culturels, et ils m'ont fait remarquer tous la difficulté qu'ils avaient à obtenir les subsides, le temps qu'ils devaient passer à paperasser, à donner des justifications, et que ça leur prenait carrément parfois un temps plein juste pour ça, alors qu'ils sont censés développer des projets culturels, des projets de médiation, des projets de proximité. Et donc je jette comme ça dans cette commission, comment est-ce qu'on pourrait apporter une aide structurelle, administrative à tous ces centres culturels pour les aider à accéder à ces aides qui sont bien utiles et bien nécessaires. Donc voilà, je voulais mettre ça dans la réflexion générale, et que c'est un point qui doit vraiment être un point d'attention, que ces subsides qui sont là puissent être quand même relativement facilement accessibles et ne pas prendre le pas sur tout le travail pédagogique, culturel et de médiation des centres culturels. Voilà, c'est tout. Merci. Madame Barzin. Micro. Voilà, j'espère que l'on m'entend. Merci, parce que ah oui. Je dis mettre en 4G, c'est toujours compliqué. Voilà, je voudrais souligner au nom de mon groupe la clarification des modalités de financement qu'apporte aujourd'hui ce règlement, donc c'est un important. Mais je voudrais revenir sur deux questions, effectivement. Donc il y a des centres culturels qui n'apparaissent pas dans les centres qui sont soutenus davantage par la COCOF aujourd'hui. Je prendrais par exemple le centre culturel Duc. Alors c'est peut-être une question de statut, mais j'aimerais savoir pourquoi. Et puis, dans un deuxième temps, je sais également que le Théâtre des Rives Claires, qu'on a souvent appelé le Centre culturel des Rives Claires, en fait, n'est pas un centre culturel, parce que lui n'est pas reconnu.
connu en raison du fait qu'il ne comporte pas d'atelier permanent. Or, vous savez très bien que, par exemple, les Rives-Claires, mais il y en a d'autres sans aucun doute, hein, est vital dans un quartier comme celui-là, c'est le centre Bourse, et a bien besoin de soutien supplémentaire. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui ce que la COCOF pourrait déployer pour soutenir aussi, et quitte à effectivement adopter des modalités complémentaires, ce genre de structure qui aujourd'hui ben voilà, échappe au statut de reconnaissance par la communauté française et de facto dès lors par la COCOF. Merci. Merci à vous, Monsieur Segers. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Extraordinaire secteur qu'est le secteur des centres culturels. Je ne le dirai jamais assez et avec autant de force. C'est très important. C'est très important comme texte parce que il recadre en fait la nécessité d'établir des droits culturels. Les centres culturels, ce sont les premiers acteurs à Bruxelles qui ont cette responsabilité. C'est très important, c'est ce que dit le décret de la Fédération Annie-Bruxelles, c'est qu'il met comme idée que les centres culturels sont bien les personnes qui vont aider à développer ces questions de droits culturels avec toute une série de développements, et le texte qui nous est présenté reprend en fait ce que le décret qui a été adopté en Fédération Annie-Bruxelles à l'unanimité des partis politiques, hein, c'est important de le dire, développe dans ses différents articles, 102 ou 103 articles, c'est un texte assez long. Je voudrais simplement attirer votre attention sur plusieurs éléments qui fait que, bien sûr, on va soutenir ce texte et je me réjouis d'entendre les réactions des différents partis politiques parce que nous devons garder l'unanimité sur ce type d'opérations que sont les centres culturels. Le premier, c'est la vitalité culturelle à Bruxelles. Donc, on l'a vu, il y en a effectivement maintenant 12-13 qui sont reconnus en fédération à Bruxelles par la Fédération Annie-Bruxelles. Il y en a effectivement qui ne sont pas reconnus. Il y en a qui le sont depuis très longtemps et qui ont d'ailleurs forgé les politiques de la Fédération Annie-Bruxelles et de la COCOF par leur action de terrain, de quartier, d'atelier. Et c'est très important de pouvoir être fier aussi des centres culturels bruxellois qui sont parfois aussi locomotives de manière de faire pour rassembler les publics. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce que tous les centres culturels ne sont pas reconnus? Eh bien, simplement, j'en profite pour répondre à mes collègues, parce que certaines communes ont décidé de ne pas rentrer dans le cadre du décret de la Fédération Annie-Bruxelles, mais je me réjouis totalement, par exemple, que le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre a pu rentrer, en fait, et a fait ce travail d'analyse partagée, de mise en contact et de rentrer dans le décret qui lui permet aujourd'hui d'être, et ça explique également l'augmentation budgétaire qui va avec, d'être un centre culturel reconnu et de travailler en plein partenariat. Alors, c'est pas facile de passer du centre culturel communal, parfois de l'opérateur privé, à un centre culturel reconnu par la Fédération Annie-Bruxelles. Et bonne nouvelle, le centre culturel de Uccle a entamé cette démarche pour pouvoir rentrer dans le jeu. Alors, c'est ma première question à monsieur le ministre, c'est de savoir si il y a une vision à moyen terme pour pouvoir assurer que les centres culturels qui feraient cette démarche seraient soutenus. Je pense qu'il sera d'accord avec moi que c'est nécessaire. Et c'est très important de rappeler que quand la COCOF soutient ses opérateurs, elle donne un signal très important. Aussi important de rappeler que la COCOF soutient plus largement que le décret. Monsieur le ministre l'a dit, et c'est très important ça. Pourquoi ? Toutes les provinces ne soutiennent pas de la même façon, en fait. On peut aussi reconnaître, pas que par de l'argent frais, mais aussi par du service. Ici, c'est de l'argent frais qui est injecté, et donc ça permet le développement, en fait, de toute une série de projets de manière très concrète. Le soutien qu'apporte la COCOF est extrêmement important pour les centres culturels bruxellois, d'autant plus que dans la zone urbaine dans laquelle nous vivons, si nous n'admettons pas ces soutiens-là, ils sont un petit peu noyés par d'autres opérateurs émergents. Or, nous savons que les centres culturels sont des partenaires pivots. Donc, félicitations au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre pour avoir réussi le gap, avoir réussi à être reconnu par la Fédération Annie-Bruxelles. Espérance pour le centre culturel de Uccle, espérance pour celui d'Etterbay qui va bientôt rentrer sa demande, va être confirmé en tout cas comme centre culturel dans le nouveau contrat programme, ce qui est très important. Et peut-être d'autres différences, parce que Madame Barzin l'a évoqué, la question des opérateurs culturels qui s'appellent centres culturels comme les Rives-Claires ou d'autres qui sont sur le territoire de Bruxelles-Ville appelle en fait à une coordination. On pourrait reconnaître en fait plusieurs centres culturels sur une commune, comme c'est le cas à Liège. Donc on pourrait imaginer une proposition d'extension des territoires, comme c'est le cas dans le décret, et éventuellement d'aller vers quelque chose de très structurel. C'est essentiel, parce que ce texte en fait en Fédération Annie-Bruxelles, qui est partenaire avec la COCOF, est un texte qui permet en fait de donner un référentiel culturel, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les publics, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler avec les publics les plus précaires, ceux qui n'ont pas forcément les autres culturels, ceux qui ne sont pas forcément amenés à participer. Et j'en reviens à la question de Madame Maison sur la question du français. Voilà, par exemple, une mission tout à fait intéressante des centres culturels qui consiste à travailler dans partenariat avec les acteurs de la lecture publique.
peut-être pour développer la question du français, mais également pour développer la question de la rencontre des cultures. Quand on sait qu'un centre culturel est un acteur pivot qui permet à des CEC, à des bibliothèques, à des associations d'éducation permanente, à des associations d'éducation populaire, à toutes les associations d'exister, eh bien, c'est extraordinaire de savoir le rôle qu'ils ont. Attention, tous les centres culturels n'ont pas les mêmes moyens à Bruxelles. Il y a des tout petits et il y a des beaucoup plus grands. Et c'est important qu'on le sache parce que cette diversité, en fait, amène à une richesse de partenariat entre eux. Et je voudrais saluer également, ce n'est pas dans le texte, mais le travail de la concertation bruxelloise qui travaille avec les centres culturels pour assurer qu'il y ait également un travail de médiation. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet absolument bouillonnant, absolument passionnant, passionnant parce que la COCOF en fait joue son rôle de partie prenante. Nous soutenons bien évidemment avec l'écologiste ce développement des droits culturels. Nous pensons qu'il serait intéressant que la COCOF s'inspire du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour garder ce référentiel, pour envisager d'autres développements de cadres décrétaux à certains endroits. Et nous pensons donc qu'il serait vraiment intéressant de pouvoir développer en fait une réflexion plus élaborée sur les droits culturels à Bruxelles, peut-être dans le cadre d'une candidature pour Bruxelles Capitale 2030, peut-être dans le cadre d'un futur décret pour d'autres opérateurs culturels. Je pense que c'est vraiment un levier intéressant. Enfin, j'en termine avec deux éléments importants. Le premier concerne la surcharge administrative. Je suis d'accord, les centres culturels sont écrasés par la masse administrative. Elle est souvent liée en fait au caractère multiple des subsides. On sait qu'ils sont reconnus, ils sont soutenus par la COCOF, par les communes, par la fédération, mais ils ont également un rôle patronal qui font qu'ils ont des responsabilités en qualité d'entreprise, qu'ils augmentent en fait la charge administrative. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons le débat en Fédération Wallonie-Bruxelles pour améliorer ça, et c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est un petit peu le parent finalement de cette question de structuration, en tout cas en son sein, et la COCOF peut l'être, c'est qu'il y a une volonté d'aller vers un allègement administratif. Mais attention, attention, pour se faire reconnaître, un centre culturel a besoin d'une charge administrative. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut noyer les gens dans la charge administrative, mais quand on voit que quand un centre culturel, par exemple, crée une analyse partagée, c'est-à-dire qu'il va rencontrer l'ensemble des acteurs de son territoire pour estimer ce qu'il va faire, quand on voit qu'il réfléchit, qu'il se donne des objectifs par rapport à cette analyse partagée, quand on pense que le centre culturel doit développer des grilles d'analyse de manière permanente, il faut quand même assurer une forme, je dis bien une forme, de contrôle administratif au sein de la propre structure pour savoir s'ils sont bien dans les objectifs qu'ils se sont donnés. Donc il y a, et c'est très important, la charge administrative absurde, celle qui fait qu'ils sont noyés sur le travail, mais il y a également celle qui est constructive et qui permet en fait au centre culturel de pouvoir se repositionner, se réquestionner, se réinventer de manière permanente. C'est très important. Tout dernier point, et j'en finis, Monsieur le Président, vous avez compris la passion que j'ai pour ce secteur. Il y a plusieurs derniers points, allez-y. Ah oui, mais c'est quand je suis là, malheureusement, il y a toujours plein de derniers points. C'est effectivement la question difficile dans laquelle se trouvent les centres culturels aujourd'hui. Nous le savons, fermeture, mais nous avons fermeture partielle, puisqu'il s'agit bien de la fermeture au public. Les activités des moins de 12 ans sont maintenues, c'est ce que j'ai compris à la lecture des arrêtés de police. Je voudrais simplement dire que cette situation dans laquelle ils sont mérite une grande solidarité du secteur du monde politique. Je crois que nous devons être absolument vigilants aujourd'hui, quand on parle au centre culturel, de pouvoir être conscient de la difficulté dans laquelle ils se trouvent, la difficulté des travailleurs, la difficulté, l'anxiogénité, et surtout, de marquer la solidarité qu'ils ont eux-mêmes avec les intermittents, avec les personnes avec qui ils travaillent, pour assurer qu'il y ait une continuité de financement de certains projets ou de certains emplois qui, même s'ils n'ont pas lieu, puissent continuer à exister. Voilà, j'en termine, Monsieur le Président. J'espère que j'ai été complet. Très bien, on connaît votre passion pour cette matière. Monsieur Cazier. Voilà, merci Monsieur le Président. Je vais prendre le rôle de Joël Maison, qui d'habitude parle toujours après Monsieur Seghers en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je la plains toujours parce que comme Monsieur Seghers est toujours effectivement dans un enthousiasme et un discours qui dépasse largement le cadre souvent de la discussion, mais qui nous amène dans des débats plus philosophiques, eh bien aujourd'hui c'est moi qui vais porter ce triste fardeau de devoir passer derrière Monsieur Seghers, et tout de suite vous dire que je serai peut-être un peu plus factuel là-dessus, parce que c'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins bien que M. Seghers. Mais dire d'abord plusieurs choses, c'est que j'ai la chance d'habiter une magnifique commune, bien sûr, mais qui compte un centre culturel particulièrement actif de notre région, qui est le Centre culturel de la Vénérie. Et j'ai eu l'occasion de vivre de l'intérieur l'ensemble des choses qu'évoquait M. Seghers, c'est-à-dire le travail absolument inimaginable en termes de nouveaux décrets de reconnaissance des centres culturels.
Et en fait, l'incroyable travail que ça a permis pour se réancrer dans le territoire, je dis réancrer, non pas parce que les centres culturels ne l'avaient pas toujours fait précédemment, mais parce qu'ils ont dû aller beaucoup plus en profondeur dans leur réflexion par rapport à l'ancrage territorial. Et c'est par rapport à ce que vous disiez, monsieur le ministre, en fait, la démonstration parfaite que le centre culturel, ce sont ces acteurs de première ligne de la culture qui sont au service de toutes les Bruxelloises et de tous les Bruxellois et qui sont cette porte d'entrée absolument essentielle à la culture. Et je crois qu'en ce sens, ce n'était évidemment que justice de la part de la COCOF d'apporter ici ces modifications réglementaires. Et j'en retiens deux éléments qui me semblent essentiels, à la fois, bien sûr, la pérennisation de leur financement à travers l'indexation que vous rappeliez, monsieur le ministre-président. Ce n'est quand même pas rien, 20% sur la législature. Et puis surtout, ça permet de nous assurer que les engagements que les centres culturels font avec ces subsides peuvent être pérennisés dans le temps, puisque sinon, c'était compliqué. Et puis, vous l'évoquiez vous-même, le rattrapage aussi, finalement, des non-indexations précédentes, et ce qui permet indirectement de refaire un petit refinancement des centres culturels qui en ont bien besoin. Et à tout le moins, pour ces deux raisons-là, et puis finalement aussi, plus largement parce que ce règlement, c'est aussi l'occasion de clarifier les modalités de financement. Vous voyez, je pense que tout cela sont largement plutôt des raisons suffisantes pour que mon groupe se joigne à tous les autres groupes ici pour soutenir cette modification réglementaire. Merci bien. Voilà. Donc, plus personne souhaite prendre la parole. Ah, Madame Barzin, vous reprenez la parole. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette petite exception. Voilà, simplement pour préciser qu'effectivement, le Centre culturel Duc voudrait introduire un dossier en juin pour la reconnaissance. Donc, ce centre-là, comme d'autres, ont urgemment besoin de moyens. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, comment on peut aider ces centres, qu'ils soient culturels reconnus ou centres culturels, comme on le dit. Effectivement, est-ce que les centres qui vont rentrer des dossiers devront attendre 5 ans avant de pouvoir, dès lors, voilà, d'une part être reconnus, mais aussi recevoir une aide pour un prochain cycle? Nous pensons qu'il faut l'aider beaucoup plus urgemment. Merci beaucoup. Voilà, merci. On n'est pas dans une interpellation, je ne sais pas si monsieur le ministre, vous souhaitez reprendre la parole ou répondre à des questions? C'est pas vraiment. Non, peut-être rappeler que la COCOF a aussi des allocations budgétaires de subsides facultatifs qui bénéficient à toute une série d'acteurs culturels. Et donc, ça n'est pas, on n'est pas exclusif en fait. Et donc, on ne s'arrête pas aux centres culturels. C'est vrai que les centres culturels, on s'inscrit là dans un processus qui, je dirais, est d'objectifs partagés. Et donc, où nous sommes aussi acteurs du développement des politiques par les accents que nous souhaitons apporter en concertation avec les acteurs. Mais il n'empêche, la COCOF ne limite évidemment pas son champ d'action aux centres culturels reconnus. Pour le reste, oui, sans doute au niveau administratif, il y a toujours des améliorations. Peut-être qu'au niveau de notions de contrat-programme, on peut développer, je dirais, une certaine récurrence ou en tout cas un assouplissement des contrôles. Maintenant, on n'échappera jamais. Et surtout, effectivement, quand on a des sources de financement diverses, c'est clair que ça alourdit à chaque fois la charge financière. Ça, je pense que ça reste quand même un élément assez incontournable. Voilà, pour le reste, je ne peux que me joindre aux paroles qui ont été prononcées cet après-midi. Et donc, vous remercier pour tout l'intérêt, mais ça, je n'en avais aucun doute, que vous portez à ce secteur. Très bien. Voilà. Pour moi, la discussion générale est close. Donc, nous allons passer dès lors à l'examen et au vote des articles. Je vous rappelle simplement que le vote sur les articles et les amendements se fait à la main levée de manière visible et à l'écran pour vérifier l'identité de la députée ou du député présent. Je vois certains qui sont toujours qui ne s'affichent pas. Donc, il va falloir vous afficher pour que vous puissiez voter. Merci. Donc, tout d'abord, l'article premier. Donc, il n'y a pas d'amendement. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Madame Jamoul, ou bien vous réglez votre écran, je crois. Personne ne souhaite prendre la parole? Donc, nous passons au vote de l'article premier.
Qui vote pour? Attendez, il y a Elisa Gropi qui est. Je vois, elle n'est pas à l'écran. Hein. Attendez, j'attends de voir tout le monde pour pouvoir voter, peut-être. Elisa Gropi. Voilà. Très bien. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc nous avons une majorité qui vote pour. Merci bien. Donc l'article premier est adopté par, si je dois compter, on est combien là? 11 membres sur 12, puisque M. Coxal n'est pas remplacé. Très bien. Voilà, c'est ce que j'attendais votre intervention. C'est très bien, Nathalie. Merci. On passe à l'article 2 à 7. Donc, qui vote pour? On considère que c'est le même vote. Très bien. Même vote. Et on va voter maintenant. Madame Finet, vous nous rappelez le nombre de personnes qui ont voté? Donc nous avons 11 participants sur 12, puisque M. Coxel n'est pas remplacé, sauf erreur de ma part. Donc, C'est juste. et le groupe PS a 3 membres. Donc M. Casban, qui participe, n'a pas le droit de vote, mais je vois qu'il n'est plus là. Ah, il est toujours là, M. Il est Casban. toujours là, mais il va. Oui. Et voilà, et le groupe CDH n'a pas non plus le droit de vote, ne peut assister aux réunions. Très bien. Donc 11 votes pour. C'est très bien. Et on va voter sur l'ensemble du règlement. Qui vote, là, ça va être un vote nominal. Donc, c'est justement là qu'on doit réellement vous voir. Madame Finet, je fais lecture des noms ou bien vous le faites vous-même? Non, allez-y, allez-y, Monsieur le Président. OK. Madame Barzin, qu'est-ce qu'elle vote? Oui. Très bien. Monsieur Cazier. Monsieur Oui, Cazier. oui. Très bien. Madame Gropi. Très bien. Madame Jamoul. Oui. Madame Klopovic. Koplovitch, vous allez y arriver, Monsieur le Président, je Oui, suis c'est sûre. Pour la incroyable. fin de la J'avais dit législature. Stéphanie. Hein. J'avais dit que j'allais regarder Stéphanie. J'ai dit, j'ai pas de problème. Pour. Très bien. Monsieur Leicester. Monsieur Leicester. Très bien. Madame Maison. Joël, elle a disparu. Ah, elle est là. Maison. J'ai dit oui, je crois. Vous ne Très m'avez pas bien. entendu? Non. Je redis oui. Très bien. Monsieur Moussine. Oui. Très bien. Monsieur Suarez. Monsieur Segers. Avec grand plaisir, oui. Très bien. Et Monsieur le Président, qui dit oui aussi. Voilà. On arrive aux 11 membres. À l'unanimité. Félicitations. On se félicite mutuellement. Merci bien. On va passer au point. Attendez, j'en suis où? Donc les résultats des votes, c'est 11 votes pour l'unanimité. L'approbation du rapport. Est-ce que la commission fait confiance au président et au rapporteur pour la rédaction du rapport? Je suppose que oui. C'est gentil. Eh bien, on passe au point 3, le projet de règlement relatif au label Impact. On doit désigner un rapporteur. Je vois que le groupe socialiste propose M. Martin Cazier. Y a-t-il des objections? Pas d'objection. Eh bien, voilà, M. Martin Cazier est désigné en qualité de rapporteur. Je cède la parole directement au ministre Rudy Vervaux pour son exposé. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, il me revient de vous présenter le projet de règlement relatif au label Impact. Alors, en effet, vous le savez, la promotion de la démocratie culturelle et l'accès à la culture à tous est un objectif majeur de l'accord de gouvernement. Et donc, je vais peut-être vous rappeler, je dirais,
la genèse de ce projet. Vous vous en souviendrez, ma collègue Fadila Lanane avait créé le label d'utilité publique lors de la législature précédente. Le premier lauréat avait été le spectacle Djihad d'Ismaël Saïdi, qui était porté par la SB La Vie Saine, et c'est en 2015. Et ce label, depuis, récompense chaque année deux spectacles qualitatifs qui développent une action de médiation culturelle des publics autour d'un enjeu sociétal majeur et ou d'actualité. Ils sont soutenus à hauteur de 30 000 euros sur une année civile et les lauréats peuvent demander une subvention de 10 000 euros l'année suivante pour poursuivre le travail de médiation et renforcer l'accessibilité de la culture pour tous. Et aujourd'hui, afin de pérenniser ce dispositif, je vous présente en fait un projet de règlement qui permettra de donner une pérennité ce dispositif. Le label Impact, donc, c'est le nouveau nom du label d'utilité publique. Bon, je dirais que pourquoi changer? Tout simplement parce que les mots utilité publique ont un côté un peu excluant, car ils pourraient être attribués à de nombreux spectacles traitant de sujets d'actualité de société. Alors que ici, on veut, je dirais, aller plus loin, puisque l'objectif ici, c'est de s'articuler autant que faire se peut autour d'un spectacle de qualité qui défend outre un thème qui effectivement nous concerne tous, mais c'est tout l'aspect de médiation culturelle en fait que nous voulons promouvoir. En réalité, le thème est important, mais c'est au-delà de ce thème, c'est ce qu'on en fait et l'objectif poursuivi par ceux qui ont développé le spectacle. Et donc, ce terme nouveau nom Impact représente les principales valeurs défendues dans ce projet qu'est l'octroi du label, à savoir l'inclusion, la médiation culturelle, le public, l'accessibilité et la culture et la thématique choisie. L'objectif est bien de développer des projets de médiation d'envergure dans le but de toucher des publics éloignés de la culture. Alors, j'entends par public éloigné de la culture, ce sont les Bruxellois, nos jeunes, à partir de 16 ans, les élèves à partir de la 4e secondaire, les publics aussi fréquentant les associations bruxelloises, qu'elles soient subventionnées ou non par la Commission communautaire française, les publics fragilisés économiquement ou socialement, les personnes en situation de handicap, les publics plus spécifiques en lien avec les thématiques abordées par le spectacle lauréat. Et donc, aujourd'hui, la COCOF a déjà un règlement concernant des animations à destination du public scolaire. Le règlement Impact souhaite dépasser le cadre scolaire ou parascolaire pour toucher l'ensemble des publics cibles. Et donc, je pense que ce label le label précédent a fait ses preuves et je crois que ça permet de donner une amplification annuelle à un spectacle qui mérite toute l'attention que nous avons, mais sans limiter effectivement le champ, le cadre de celui-ci, si ce n'est nos limites liées à la politique menée par la COCOF. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur le Ministre. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Stéphanie, je vous en prie. Ok. Je pensais que Mathéo allait encore nous faire un speech, c'est pour ça que j'attendais un petit peu, mais pas pour après. Il n'y a pas de souci, on va soutenir le texte et tout ça, mais j'ai quand même deux questions que je me pose par rapport, encore une fois, à ce qui se passe dans le secteur. Donc peut-être que Monsieur le ministre pourra me répondre sur ces questions-là spécifiques. Dans l'article 9, on dit que le label est, outre le fait que je trouve ça toujours très compliqué de donner des labels après création des spectacles, parce que ça demande quand même à tout le monde de mettre d'abord tout en œuvre, bon, donc c'est de l'aide à la diffusion, ok, je comprends. Par contre, l'article 9 qui dit que l'opérateur qui a droit à une ASBL reconnue en vertu du décret, secteur professionnel des heures de la scène, donc ça me semble un peu dommage parce que ça exclut toute une série de personnes qui ne sont pas des opérateurs forcément reconnus, parce qu'on sait pas, on sait que ce n'est pas forcément évident, mais qui pour autant produisent des spectacles qui sont tout à fait, qui peuvent tout à fait rentrer de la belle impact en termes de médiation avec le public, de travail de terrain, d'accessibilité à la culture. Du coup, on s'interroge un peu sur cet aspect qui est encore une fois un peu restrictif, excluant pour
les jeunes compagnies ou les que sais-je, des tas d'associations qui parfois montent des spectacles de manière peut-être parfois moins professionnelle parce que c'est pas leur cœur de travail, quoi, mais qui en même temps sont des spectacles qui ont plein de qualités et qui mériteraient tout à fait d'être aidés à être diffusés. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième question, c'est toujours l'éternelle question des jurys et de leur transparence et de la difficulté. Donc, je vois qu'il y a toute une série de garde-fous qui sont mis sur les liens entre les experts qui sont choisis et les spectacles présentés. Mais néanmoins, il y a deux choses qu'on aurait trouvé bien. C'est d'un, aussi inclure des gens qui sont peut-être moins des experts, donc des spectateurs, des gens en fait à qui ça va s'adresser tous ces spectacles. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est dommage, ça n'y est pas. Et alors l'aspect que ce jury est pour une durée de 4 ans est renouvelable, donc ça assied quand même beaucoup les choses, alors que c'est intéressant d'avoir peut-être une plus grande diversité dans les jurys, ce qui permettrait aussi d'avoir une plus grande diversité dans les spectacles qui sont reconnus par le label. Donc voilà, ça c'est des petites réserves de questionnements qu'on a par rapport à justement rendre plus démocratique et plus accessible ces labels-là, qui sont vraiment importants aussi pour des plus petites structures qui n'ont parfois pas cette reconnaissance et qui ont besoin justement plus que d'autres d'aide à la diffusion. Voilà, c'est tout. Donc on a des réponses à ce sujet aussi. Je peux être, voilà, comment on peut y réfléchir ou peut-être, je rêve, mais adapter les choses. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Koplovic. Monsieur Segers. Merci Monsieur le Président. Je vais faire court, je vous rassure. En fait, ce qui est important, c'est que ce label, et c'est bien de l'avoir renommé parce qu'impact, d'abord, ça dit ce que ça veut dire, et surtout, le premier mot, c'est inclusif. Et pour Bruxelles, c'est très important. C'est extrêmement important. Ce label, en fait, est une exception en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je trouve que c'est tout à fait intéressant que Bruxelles, comme ville, comme région, se donne l'octroi d'imaginer qu'un spectacle est d'utilité publique, et le meilleur exemple, c'est le premier bénéficiaire, à savoir Djihad. C'est clair, il y a des spectacles en fait qui à un moment donné sortent un petit peu de ce qui peut être considéré comme la recherche globale. Il y en a tout d'un coup un qui répond à une urgence sociale bien spécifique. Djihad en est un exemple. Et je pense que dans une ville comme Bruxelles, c'est essentiel qu'on puisse valoriser ça. Donc, moi, je vous ai posé la question, monsieur le ministre, en commission il y a quelques mois pour savoir, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas envisager que ce soit proposé, par exemple en fédération, que l'idée soit un peu étendue, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'il serait intéressant de travailler aussi autour de ce label avec la communauté néerlandophone, la communauté flamande en l'occurrence, pas forcément avec la VGC, mais au-delà. Savoir comment est-ce que ce label, indépendamment du texte, peut également être promotionné en fait une compagnie qui a un sujet bien spécifique à Bruxelles, en dehors des limites. On sait que pour la Belgique, c'est important. C'est important qu'on sorte. Donc, ce n'est pas une prérogative qui est inscrite dans le texte. Ça ne devra pas l'être d'ailleurs. Mais je pense que ce serait intéressant de promouvoir, en fait, à l'occasion d'une conférence interministérielle ou quoi, de promouvoir quelque chose qui permettrait, là où il y a quelque chose qui est considéré comme un petit peu exceptionnel, qui permettrait de pouvoir faire partager ça de manière un peu plus souple. Voilà. Donc, ça me paraît un élément important. En fait, je parlais d'inclusion parce que ça induit en fait une nécessité de diversité aussi dans les équipes qui font les projets. Et ça me paraît important de le garder, de garder en tête que quand on monte ce projet, quand on monte un projet et qu'on va vers le label Impact, on puisse se dire en qualité d'artiste, tiens, mais est-ce que je suis porteur d'une forme de diversité? Est-ce que je suis porteur d'une forme culturelle qui inclut la question justement de l'inclusion? Et c'est vraiment intéressant. Et je comprends qu'on puisse s'interroger sur savoir pourquoi est-ce que le label Impact en fait se décerne à un spectacle déjà créé, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à des compagnies reconnues. Mais je pense que en fait, il amène des compagnies reconnues à se poser des questions aussi socialement. Et donc, je trouve que cet axe-là est vraiment intéressant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Madame Koplovic sur la question, effectivement, de savoir comment sont les compagnies qui sont émergentes. Et c'est vrai que dans l'éducation permanente ou ailleurs, il y a des spectacles de qualité et qui sont porteurs d'une thématique très forte qui peuvent sortir. Là, effectivement, la reconnaissance, elle peut être octroyée préalablement en fait à la capacité de pouvoir postuler au jury. Donc, simplement, c'est une souplesse à un moment donné, c'est de se dire, tiens, mais effectivement, est-ce que cette compagnie peut être reconnue? En fait,
en fédération ONI Bruxelles, et ce qui est reconnu par la fédération ONI Bruxelles peut l'être en COCOF, c'est simplement une demande de reconnaissance très simple. Hein. C'est un label simplement de reconnaissance qui est simplement « Nous sommes une compagnie qui effectue des spectacles et nous souhaitons être reconnus. » Et en général, c'est reconnu. Donc, je pense qu'il faut être effectivement souple là-dessus. Je vous rejoins. Il ne faut pas être carré, il ne faut pas être souple. Il faut que le jury soit souple. Et je pense que c'est intéressant, par contre, que ce jury soit maintenu pour 4 ans. Parce qu'il y a une logique, en fait. Il y a une logique de se dire « Tiens, mais cette année-là, on a traité ci. » Cet élément-là, l'autre année on traite quelque chose d'autre, qu'il y a une construction en fait, pour qu'on puisse aussi avoir un équilibrage. Cette année on a vu deux spectacles primés qui sont tout à fait différents de ce qui était primé précédemment, parce qu'il y a une logique en fait d'urgence sociale qui se manifeste dans le choix. Donc moi je soutiens tout à fait cette logique en fait d'établir un jury sur 4 ans, ça me paraît cohérent. Ouais, peut-être qu'à la prochaine fois on pourra inclure de nouvelles réflexions. Le fait qu'Impact soit mené aujourd'hui nous permet aussi d'envisager comment ça peut évoluer. Et je pense que les jurys sont aussi à l'écoute de comment est-ce que la société évolue et de voir un peu comment est-ce qu'on peut le faire. Enfin, tout dernier élément, Monsieur le Président, et c'est bien mon dernier élément, je vous rassure. Je crois que c'est très important de se rappeler qu'il y a beaucoup de compagnies qui postulent pour ce label parce qu'il suscite une grande envie, en fait, et que donc, manifestement, il y a une concurrence. Les concurrences, évidemment, c'est compliqué quand on fait culture, mais je pense que malgré tout, ici, c'est nécessaire de garantir qu'un maximum de gens puissent participer. Après, il y a une sélection qui est compliquée, qui est difficile, mais je pense que l'engouement que porte ce label est plutôt positif au regard de comment est-ce qu'on fait culture en Fédération Wallonie-Bruxelles et comment est-ce qu'on fait culture en COCOF et comment est-ce qu'on fait culture à Bruxelles. Je vous remercie. Merci bien. Madame Berzin. Merci, Monsieur le Président. Je voulais souligner effectivement sur ce label Impact l'importance que revêtent les valeurs qui sont énoncées aujourd'hui, qu'il était déjà pour le précédent label d'utilité publique, et l'intérêt de l'extension. Les valeurs de citoyenneté, on le sait, sont aujourd'hui doivent être consolidées et on sait aujourd'hui combien il est important que les pouvoirs publics se saisissent, se conscientisent encore plus que précédemment sur ces questions. Je voulais demander aussi et souligner l'importance de précision quant aux objectifs, quant à la stimulation de certains spectacles éventuels, une proactivité de la part de la COCOF aujourd'hui pour justement faire se rencontrer ces objectifs et la création. Et cela, je pense, est important puisque c'est un outil d'utilité publique, ce label, et il est important qu'il puisse répondre à certains objectifs. J'étais moi-même intervenue en début d'année, par ailleurs, sur l'importance de la politique d'égalité entre les genres, d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment comme valeur à pouvoir promouvoir à travers ce label. Et donc, j'aimerais aussi qu'il puisse continuer à faire son chemin, que cette idée puisse continuer à faire son chemin aussi pour le nouveau label Impact. Merci. Très bien. D'autres personnes souhaitent prendre la parole? Personne? Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir? Oui, très, très brièvement, je pense que oui, ce label... il a pris assez rapidement une place non négligeable dans le monde du théâtre parce que c'est le signe d'abord que le sujet abordé est un sujet, je dirais, qui parle au moment où il parle et pas, je dirais, décalé dans les enjeux sociétaux et autres, et que il ouvre aussi des portes. Enfin, il ouvre des portes, ça veut dire que en termes de tournée, le fait d'être porteur de ce label, ça permet de pouvoir aussi avoir des représentations partout en communauté. Donc, c'est un élément important. D'ailleurs, cette année-ci, je pense qu'il y avait 10 projets qui ont candidaté, je dirais, pour l'obtention du label. C'est dire que effectivement, il y a une réflexion aussi, ça amène à une réflexion dans le chef des créateurs, je pense que c'est aussi un élément important, c'est un stimuli pour créer, et alors je pense qu'il n'y a pas vraiment effectivement de frein. Je crois qu'un des lauréats de cette année-ci, c'est une compagnie de jeunes qui ont été diplômés l'année passée. Donc franchement, on n'est pas là pour promouvoir, je dirais, les vieux routiers ou les vieux routiniers, hein, qui je dirais,
En fait, ils sont tellement impliqués dedans qu'ils savent par avance comment on fait pour avoir le prix. Non, ça marche pas du tout comme ça. Et donc, on est vraiment, enfin, bon, c'est le jury, c'est pas moi, fait preuve effectivement aussi de discernement par rapport à cet objectif de promouvoir aussi de jeunes compagnies. Et donc, non, franchement, je pense qu'ici on tient quand même quelque chose qui sera pérennisé de manière permanente. Enfin, ça va de soi, il sera pérennisé, point. Voilà, merci. Très bien, merci. Ceci clôture la discussion générale. Nous allons d'ailleurs passer à l'examen et au vote des articles. Je rappelle qu'il faut encore une fois se faire. Enfin, on va voter la main levée et de manière visible. Je vais quand même demander Monsieur Moussine. Ah voilà, il réapparaît. C'est très bien. Donc tout le monde est à l'écran, c'est parfait. Article premier. J'ouvre la discussion. Y a-t-il des remarques sur l'article premier? Monsieur Casier. Ce casier? Ah, ok, j'ai cru que vous vouliez intervenir. On ne vote pas Oui, encore, hein. pardon, Monsieur le C'est des Président, c'est remarques. pour ça que j'avais oublié qu'on était aux discussions par article. Oui, J'anticipais le vote, je oui. m'excuse. OK, article premier, pas d'amendement, pas de discussion. On peut passer au vote. Eh bien, on procède alors au vote à main levée. Qui vote pour? Madame Finet, on est Je ne 11. vois pas, je ne vois pas Madame Jeanne-Boule ni Madame Koplovitch. Ah, Madame Barzin a disparu également. Oui. Madame Barzin. Et Monsieur Steger non plus. Monsieur Casier, je Moi, crois que je c'est suis la connectée. Clémentine Barzin, c'est oui. C'est oui? Ah oui. Et c'est oui également, je suis là. Okay. OK. Je crois qu'on a tout le monde là. On est bien 11. C'est bien cela? Ok, 11 membres ont voté pour et M. Coxal n'est toujours pas là. Donc, Bon, ça, on c'est l'heure. continue au article suivant, article 2 à Bien, 26. article 2 à 26. Donc, est-ce qu'on considère que c'est le même vote? Même vote. On est d'accord? Un vote? D'accord. Superbe, parfait. On va Vote sur voter sur l'ensemble. l'ensemble. On vote sur l'ensemble, mais là c'est nominatif, donc on refait le même procédé que là tout à l'heure. Je commence à citer les noms. Donc, Madame Barzin, Oui. Madame, Monsieur Casier, Madame Gropi, Oui. Madame Jamoul, Oui. Madame Koplowitz. Oui. Monsieur Lester, Oui. Madame Maison. Oui. Monsieur Moussine. Oui. Monsieur Soares. Monsieur Segers. Oui. Et le président vote oui également. Voilà. On a les 11 oui, donc c'est à l'unanimité. Félicitations. Félicitations, Monsieur le ministre. L'approbation du rapport, donc ça c'est, il faut faire confiance au président et au rapporteur. Je suppose que vous faites confiance à tout ce monde. C'est très très bien. Eh bien voilà, nous allons passer au point 4. Merci Monsieur le ministre. Bientôt. Bientôt, à très bientôt. Point 4 de l'ordre du jour, c'est l'état d'avancement des auditions en suivi de la résolution pour une prise en charge adaptée des personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme et un soutien renforcé de leurs proches adoptés par le Parlement le 26 avril 2019. Lors de sa réunion du 29 septembre dernier, la Commission avait décidé de fixer une méthodologie de travail. Sans attendre, je donne la parole au rapporteur, donc Monsieur Jamali Casban et Mesdames Céline Frémaux et Farida Tahar, pour nous exposer l'état d'avancement de leur discussion. Qui prend la parole? Monsieur Casban, je vous en prie. Et Madame Frémaux par la suite. Merci, Et Madame Tahar également. merci, Allez. Monsieur le Président. Voilà, chers collègues, on a vu donc les rapporteurs. Nous sommes trois, comme l'a dit Céline Frémaux, Farid Attar et moi-même. On allait Monsieur faire Casban, un petit Monsieur travail. Casban, Monsieur Oui. Casban, on entend vraiment le son est très mauvais. Je ne sais pas, Est-ce peut-être faut s'approcher du micro. maintenant Pardon. mieux?
Si je coupe ma caméra, ça va peut-être être mieux. Je coupe ma caméra. Vu les grimaces de mes collègues, je crois qu'ils entendent comme moi, on entend vraiment mal. Coupez la caméra, allez-y. Il faut parler pour qu'on puisse entendre. Ah, vous avez disparu le son également. Le son également. Oula. Ah là, ça va. Ah. D'accord, ça vous va ? Ouais, bah, c'est pareil, mais allez-y, allez-y. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien ? Je vais mettre un casque. Peut-être mettez le casque, peut-être, parce qu'on entend très mal. Ok. Voilà, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ? Allez-y. Oui, on m'entend mieux maintenant ? Bon, allez-y, allez. On vous écoute. Ça va, vous m'entendez ? On vous entend. D'accord. Dans une cave, mais on vous entend. Je ne suis pas juste dans une cave, mais bon. Donc, Non, ça s'est coupé. Celui casse-bande, ça s'est coupé. Le son, votre micro est coupé, là. Le micro est coupé. Allô, maintenant, ça va ? Vous m'entendez ? Oui, maintenant, ça va, voilà. Oui. Donc, nous avons convenu la dernière fois que les trois rapporteurs allaient faire un travail de synthèse après toutes les auditions qu'on a eues pour essayer de continuer à avancer et proposer à la commission de porter tout son ensemble des recommandations. Je dois vous dire qu'on a fait un travail intéressant parce que chacun des rapporteurs est venu avec un certain nombre d'éléments et qu'il nous reste encore le travail de collationnage avant de vous faire les présentations. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous demander de nous laisser encore un petit délai, au moins pour après Toussaint, parce qu'il nous reste encore ce travail de collationnage qui est assez intéressant. Je pense que ce qu'on va proposer est assez complet, même s'il sera encore soumis à discussion avec les autres commissaires, les autres groupes, évidemment. Et donc, mais voilà, franchement, il nous faut un petit peu de temps. Ça n'a pas été évident de faire ce travail-là, chacun de nos côtés, et puis après ensemble. Voilà, il nous faut un peu de temps pour encore collationner, faire quelques vérifications également, parce qu'on essaie quand même de venir faire des propositions qui sont réalisables également. Donc voilà, M. le Président, la demande est toute simple. On pourra venir avec une proposition complète portée par les trois rapporteurs après Toussaint. Mais évidemment, si on a des éléments, si on est prêt avant, on pourra éventuellement envoyer déjà au commissaire quelques éléments. Mais voilà, il y a encore un travail de collationnage à faire entre nous. Très bien, merci M. Casban. Madame Frémaux. Merci M. le Président. Je remercie M. Casban d'avoir fait un état des lieux en fait du travail qui est en cours. En fait, les auditions ont été extrêmement longues et il est vraiment indispensable maintenant que chacun a pu de part et d'autre identifier toute une série de sujets, d'arriver à croiser en fait les thématiques et les priorités et d'en sortir la substantique moelle. Et pour être honnête, je pense que personne n'avait envie de présenter ici un travail qui n'était pas assez abouti. Et donc, je pense qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Alors, c'est vrai qu'on s'était interrogé aussi sur la forme à donner à la suite de tout ceci. On avait évoqué des visites de terrain, ben, elles sont impossibles forcément pour le moment, puisque par ailleurs, les centres d'hébergement et les centres de jour sont de nouveau en difficulté aussi pour certains d'entre eux. Et donc, je pense qu'il est sage de pouvoir se donner un tout petit peu plus de temps pour venir avec un projet de texte et de pouvoir boucler ça certainement au mois de novembre. Je pense que l'objectif, et M. Casban est certainement d'accord, Mme Tarr aussi, c'est d'arriver à boucler en tout cas une grande partie de ce travail-ci avant la fin de l'année pour pouvoir regarder après en janvier 2021 est-ce que les conditions sanitaires auront évolué et nous permettront de poursuivre le travail. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Casban, il faut couper votre micro, je pense. Madame Tarr souhaitait prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mais dans la foulée de mes collègues, hein, Monsieur Casban et Madame Frémaux, évidemment, on va aussi vous proposer, vous demander de nous accorder un délai supplémentaire parce que, n'oubliez pas, j'ai le rapport ici, un rapport de 67 pages, très étayé, très complet. Il y a eu trois réunions, nous sommes trois rapporteurs, donc évidemment, on se partage le travail. On a remis une série de propositions de recommandations et Jamal les a donc rassemblées. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas simplement de revenir avec vous avec des recommandations. Je crois qu'il nous reste encore, on a peut-être à sous-estimer le travail qui est vraiment colossal. Et donc,
ce qu'on vous propose vraiment, c'est de revenir à la rentrée, mais ce qu'on peut s'engager à faire, et je crois que M. Casban et Mme Frémaux seront d'accord, c'est si le texte est évidemment finalisé avant, on vous le donnera pour que vous puissiez aussi avoir du contenu et avoir un document sur lequel on pourrait alors échanger et vraiment avoir nos discussions. C'est plus intéressant que de ne pas avoir de document. Donc, pour pouvoir faire ce travail de manière complète et de manière aussi structurée, franchement, il nous faut vraiment ce délai supplémentaire. Donc, je vous remercie d'avance parce que je ne doute pas que vous allez l'accepter. Voilà. Très bien. Très bien, sage décision. Mais quand vous dites revenir à la rentrée, c'est pas en septembre 2021, vous nous rassurez quand même. Non, pardon. Pas de souci, j'ai bien compris. Très bien, sage décision. On reviendra avec le point. On reviendra avec le point à une prochaine commission. Parfait. Eh bien, on arrive au divers. En ce qui me concerne, j'ai deux divers. Tout d'abord, l'organisation des auditions sur le thème de la précarité étudiante en commission conjointe des parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie et de la région de Bruxelles-Capitale et le Parlement francophone bruxellois. Je vous rappelle à votre bon souvenir que les deux réunions d'audition qui avaient été prévues les 17 et 31 mars de cette année sur la précarité étudiante avaient dû être annulées pour cause de Covid-19, eu égard à la transversalité de la thématique. Il s'agit de commissions conjointes au Parlement communautaire et régionaux francophones. La conférence des présidents du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de programmer à nouveau ces réunions de commissions conjointes sur le thème de la précarité étudiante et de fixer l'agenda des travaux parlementaires. Plusieurs pistes ont été envisagées. Le bureau élargi du Parlement francophone bruxellois a été invité à choisir celle d'entre elles qui privilégierait pour l'organisation de ces travaux. Première piste, première réunion en commission de l'enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, seule avec audition des experts de l'étude BDO sur les conditions de vie des étudiants au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une retransmission en visioconférence pour les autres commissions des parlements concernés. Les réunions d'audition suivantes en commission conjointe avec tous les parlements concernés au premier trimestre 2021 sur les autres problématiques de la précarité étudiante si les conditions sanitaires le permettent. Une seconde piste, toutes les réunions, y compris l'audition des experts de BDO serait organisée lors du dernier trimestre 2020 avec une présence limitée à un député par groupe politique et un collaborateur par groupe et par commission de parlement invité, respect des normes sanitaires du Conseil national de sécurité. Au Parlement francophone bruxellois, la commission de l'enseignement est la commission qui est concernée par la tenue de ses travaux parlementaires et il avait été également prévu d'inviter le ministre Rudy Vervoet aux réunions. Les services ont sollicité mon avis en qualité de président de la commission de l'enseignement et eu égard au contexte de la résurgence de la pandémie liée au Covid-19, le bureau élargi a décidé, en sa réunion du 23 octobre dernier, de reporter les auditions sur le thème de la précarité étudiante en 2021, comme je l'avais souhaité. Un courrier, Mme Plovy, présidente du PFB, sera adressé en ce sens à M. Rudy Vervoet, président du Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, c'était un point pour information. Le deuxième point, c'est par rapport à l'agenda. Donc, notre prochaine réunion aura lieu le 17 novembre pour examiner et rendre un avis sur les projets de dépenses budgétaires de la COCOF ajustée 2020, initiale 2021. Voilà, donc vous avez la date et ce sera certainement une réunion mixte, présentielle ou visio. D'autres divers, Madame Barza. Merci, monsieur le Président. Juste, je voudrais revenir sur le point précédent, la précarité étudiante. Est-ce qu'on a envisagé de faire ces rencontres par Zoom et dès lors, en tout cas, de s'assurer que tous ceux qui souhaitent y participer puissent être également connectés? Oui, c'est ça. Donc, si on a reporté... Je n'ai pas tout suivi, hein, si c'est possible que j'ai loupé un élément. Donc. Oui, donc on reporte tout en 2021. Il faut voir un peu où on en est dans la crise sanitaire. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir tout le temps reporter, donc il y aura certainement, on envisagera certainement des réunions en Zoom si on est dans une situation qui devrait l'imposer. Quoi. Très bien. Parce qu'à choisir, voilà, je préfère formule, en tout cas, où un maximum de mandataires puissent être présents, plutôt qu'une logique où seule une personne par assemblée ou par groupe serait présente. Quoi. Ok. Merci. Monsieur Cazier. Oui, juste un petit mot sur ce point-là, parce que ce sont des auditions que je suis aussi avec ma casquette de député de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
vous dire que on est évidemment très heureux que cette commission-ci et que la COCOF s'y enjoigne, et c'est nécessaire pour avoir la vision transversale. Juste attirer votre attention à toutes et à tous sur le fait qu'on a déjà quasiment un an de retard dans ces auditions sur la précarité étudiante. Autant vous dire que la situation que nous connaissons de la crise sanitaire du Covid-19 n'a pas facilité la situation de la précarité de nos étudiants et de nos étudiantes. Donc il y a du côté, je ne vous cache pas, du côté de la Fédération, une envie de pouvoir avancer assez rapidement. Je ne vous cache pas aussi que la difficulté pour l'instant, c'est que les propositions que nous avons reçues de la COCOF et du PRB ne sont pas celles que le Parlement wallon préconise. Donc voilà, c'est compliqué d'organiser évidemment tout cela. Et donc, je ne doute pas qu'on trouvera la meilleure solution, mais je ne peux que vous enjoindre, Monsieur le Président, et vous toutes et toutes, chers collègues, à en tout cas essayer de chercher la solution qui nous permette d'aller le plus vite possible. Parce que ce rapport date d'il y a maintenant presque 2 ans. Il s'agit que, il y a eu les élections entre-temps, tout ça, mais la crise Covid, mais il faut maintenant absolument que nous puissions prendre ce sujet à bras-le-corps dans l'intérêt de nos étudiants et nos étudiantes. Voilà, Monsieur le Président, juste ce que je voulais dire. Et pour le reste, je ne doute pas qu'on aura évidemment un investissement important de cette commission, puisque en fait, on y est en plein pour les compétences qui me concernent. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres divers? Très bien, parfait. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir.